m'appelle le chef Ned parce que tout simplement lors de mon premier restaurant à Strasbourg qui était le Flams rue des Frères, mon responsable n'arrivait pas à prononcer Nénad. Donc du coup on a cherché un diminutif et c'est devenu le chef Ned. Alors le chef Ned, c'est tout simplement une petite personne qui est venue de sa campagne à Strasbourg pour tenter sa chance en tant qu'autodidacte. Et au fur et à mesure des années, j'ai pu me spécialiser dans les ouvertures de restaurants ou reprises de restaurants sur Strasbourg, notamment avec des gros patrons comme Monsieur Meunier, Monsieur Chalère et d'autres petits indépendants. Alors moi, c'est déjà étant tout petit, comme on dit, je suis tombé dans la marmite. J'avais poussé des études à l'époque en bac plus 4 en tant que technicien ascensoriste. Malheureusement, je n'ai pas trouvé ma voie dedans. Et donc, du coup, la cuisine a toujours été pour moi une petite passion, un hobby et j'ai voulu en faire tout simplement mon métier. Donc, je suis venu à Strasbourg, j'ai tenté ma chance. J'ai pu rencontrer de bonnes personnes qui ont pu m'aider lorsque j'ai poussé certaines portes. Et j'en suis arrivé là grâce à beaucoup de persévérance, un peu de talent aussi quand même. Alors pour moi, un service idéal, c'est un service où on transpire un peu et où les serveurs ne font pas d'erreur. Bien sûr, s'il n'y a pas de petite embrouille lors d'un service entre la cuisine et la salle, on va dire qu'on s'ennuie un petit peu, mais à la fin, on arrive toujours à se retrouver autour d'un verre et en rigoler. Moi, je choisis mes commis en fonction aussi de leur force à savoir se maîtriser lors d'un service parce que c'est vrai que des fois, ça peut un peu gueuler. Mais le principal, c'est de garder en fait cette force en soi et de pouvoir la mettre au bien du service et du client notamment. Exactement, ma commis Marion, qui est une femme, avec qui je travaille maintenant depuis pratiquement 3 ans, avec qui ça se passe très très bien. Je pense que c'est un métier qui reste encore fermé, où on laisse très peu de chance justement aux femmes. Donc il faut surtout avoir un peu de caractère pour s'en sortir. C'est une des qualités notamment de Marion qui peut parfois vite s'emporter, mais ça reste que de l'amour dans l'assiette au final. Alors effectivement, j'ai repris le O'Brien depuis janvier. En fait, ma touche à moi était d'apporter ce côté pub tout en travaillant en fait des produits locaux et frais. Donc avec des pains maison qui ont été travaillés avec une boulangerie en association, toutes nos sauces sont faites maison, de la viande de qualité, notamment de la blade Black Angus. On peut retrouver différentes sortes en fait d'associations auxquelles, même à travers un pub, on peut s'y retrouver en termes de tarifs. En travaillant les produits de saison, les produits frais avec des produits locaux, des fermes. Donc on essaye d'amener en fait cette touche assez fraîche et plutôt alsacienne tout en gardant cet esprit pub. Alors le message est simple, hein, si vous avez soif, vous êtes au bon endroit et si vous voulez manger pour pas cher et très très bon, alors vous êtes les bienvenus. Et un gros coucou aux copains de Stras TV et puis au plaisir autour d'une bière.